Alors, ce quatrième salon du livre, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Oui, bah écoutez, c'est effectivement la quatrième édition. Nous sommes assez satisfaits, même pleinement satisfaits de cette édition, parce qu'on a essayé d'innover un petit peu en y apportant quelques diversités en marge de notre festival littéraire, notamment par l'apport de véhicules de collection. Puis en faisant venir des auteurs assez connus, et d'autres moins connus, mais tout aussi bons. Je pense que ça sera une très très. Je suis même persuadé que ce sera une très belle édition. Il y a 60 auteurs, dont des personnalités. Voilà, nous sommes 64 auteurs précisément. Il y a quelques personnalités qui viennent de Paris, notamment Nathalie Serrault, la fille de Michel Serrault, l'immense Michel Serrault. Il y a la fille également d'Annie Girardot, Julia Salvatori, qui était déjà l'année dernière, qui a beaucoup aimé ce festival. C'est un gage de réussite, donc elle est revenue cette année. Alors, un salon du livre qui se poursuit, ça fait déjà 4 ans. Il est de plus en plus important. Oui, il est moins important qu'il le sera l'année prochaine. Nous préparons un festival littéraire de 2015 qui sera encore plus beau que celui-ci. Et pourtant, c'est pas facile. Le cadre, on va en parler, au sein du couvent royal Saint-Maximin. Difficile de faire mieux. Peu de communes dans la région ou même en France ont la chance d'avoir un lieu aussi prestigieux pour faire un festival littéraire. Et nous, on en use et on en abuse parce que c'est vraiment génial. Et en plus, tout le monde s'y sent bien, aussi bien les auteurs que les visiteurs, parce que voilà, on n'est pas comme dans certains salons sans critiquer, mais on n'est pas serré comme des sardines. On peut avoir un moment d'intimité avec chaque visiteur, on peut discuter, et je pense que tout le monde apprécie aussi bien les visiteurs que les auteurs. Tout le monde a envie de revenir. Malheureusement, je ne peux pas accueillir tout le monde, et ça c'est un crève-cœur, parce que j'ai refusé à peu près 80 auteurs cette année, même des amis, c'est parfois et c'est pas facile.